Un été sans les touristes de l'extérieur de la province, ce n'est pas l'idéal pour les plages Parley et Aboiteau qui exigent un frais pour les visiter. Mais malgré tout, avec les Néo-Brunswickois qui devront probablement passer toutes leurs vacances dans la province, les plages pourraient avoir un assez bon achalandage. Je pense que ça va être quand même une bonne année. On espère que les résidents de la province vont répondre à l'appel puis venir nous voir. Le mois de juin s'est avéré rayonnant au parc provincial de la plage Parley. Pour une rare fois, les enfants et les adolescents ont profité de nombreuses journées ensoleillées loin des salles de classe. Certains services ne sont toutefois plus disponibles, comme les douches et les salles pour se changer, fermées pour l'été. Malgré une présence accrue des Néo-Brunswickois, le nombre d'entrées diminuera sans doute cette année. L'année passée, si on suit au nombre de 2019, en fin de l'année, on avait les alentours de 300 000 visiteurs. Est-ce qu'on va rejoindre ce même chiffre-là cette année? C'est à voir. Pour plusieurs familles, c'est à la plage Aboiteau, à Cap-Pelé, que se dérouleront les fins de semaine en famille. C'est ça, je m'ai acheté ce site au Costco aujourd'hui, là. C'est ça que je vais faire, ça va faire la beach. C'est nous autres, cette année, ça va être une nouvelle chose qu'on va faire, c'est sûr. La plage, puis beaucoup plus de camping. Des mesures d'hygiène sont accrues ici aussi, où les douches seront également fermées. L'aire de jeu pour enfants demeure ouverte. Nous, personnellement, on ne s'attend pas à moins de touristes. Le beau temps est là. Donc, on s'attend que les gens de la province vont venir profiter de notre plage. C'est une belle été pour les gens du Nouveau-Brunswick de découvrir le Nouveau-Brunswick. Pour ceux et celles qui souhaitent en profiter, la plage Parley est temporairement gratuite le temps que soit réparé l'accès principal qui mène au parc provincial. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Pointe-du-Chêne.